Hey yo tout le monde, c'est Théor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre petite série ZooCraft. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, hein, l'épisode 3, nous avons fait l'enclos des tigres. Du coup, tout simplement, on va d'abord amener les tigres et puis ensuite on verra par quoi on continuera tout simplement. Bon bah du coup, comme je vous ai dit, on va d'abord amener du coup les deux tigres qu'on a dans les enclos et ensuite on continuera du coup l'enclos des tigres par finir par leur cage et un moyen de les prendre, de les amener tout simplement facilement à l'extérieur pour aller jusqu'à l'intérieur. Donc on va juste prendre des outils pour nous défendre au cas où, hein, une épée, même de la bouffe on va en prendre au cas où. Ouais. On va prendre ça, on va prendre ça. Je pense qu'il y aura assez, ouais. Puis après, on finira du coup l'enclos des tigres. Tout simplement. Par contre, d'abord, j'avais vu qu'il y avait un autre animal. Je sais pas. Ah, il y a un cerf, voilà. Il y a un autre cerf. Là, ça doit être un mâle parce qu'il a des cornes. Donc, j'aimerais bien essayer de le prendre et puis le garder, tout simplement. Donc, du coup, on va se diriger principalement vers du coup l'enclos des tigres et on va prendre le cerf. Par contre, je vous avais pas fait voir. Si, je vous avais fait voir dans le timelapse la petite descente qu'on a là sur l'enclos. Je trouve qu'il est assez beau. J'avais pas pour idée de base de faire ça, mais je me suis dit qu'on verra mieux les tigres comme ça. Attendez, il est là le cerf. Voilà, on verra mieux les tigres comme ça que si. Parce que là, ok, bon, là on a des petits bugs, c'est pas très grave. Parce que ici, on voit pas très bien les tigres, c'est un peu dommage, mais je me dis que c'est aussi une bonne protection contre les tigres. Mais sinon, pour bien voir, vous avez là-bas le truc qu'on peut voir bien tous les tigres dans tout l'enclos. Et ici, on peut les voir aussi d'ici, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et du coup, tout simplement, comme j'avais pas trouvé déjà des modes pour des fossiles ou quoi, j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. J'ai mis des dalles, des pierres taillées, des trucs. Enfin, pas pierres taillées, mais pierres. Pierre, je sais plus comment on appelle ça, enfin il y a pierre en mousse, les trucs du genre comme ça. Donc ça rajoute un peu de décor aux pierres que j'ai mis. Bon, j'ai fait quelques petites entrées, hein. Une ici et une tout au fond là-bas. C'est par là-bas qu'on rentrera les animaux par la suite. Comme ça on n'aura pas de problème. Alors je sais pas si le cerf il va passer par la porte, par contre ça c'est pas du tout. Parce que l'enclos n'est toujours pas fini du côté de là-bas. Donc je ne peux pas le faire sortir par là-bas pour le moment. Parce que c'est ça qui est un peu bête. Écoutez, apparemment il passe pas. Hein. Ah si, il passe. Ça y est, il passe. Ça, par contre, la porte, je suis pas sûr qu'il passe. Non, la partie ne passe pas. Donc tout simplement, c'est pas très grave. On va le faire, sortir par là-bas. Écoutez, c'est pas très grave. Bon, par contre, il peut pas passer par ici, donc on va le faire passer par l'autre côté. On va pas traverser la rivière. On va le faire traverser par ce genre de pont-là que j'ai fait pour les tigres. Je sais pas s'ils viendront dessus. Ce serait bien. C'est un truc bien stylé, je trouve. Mais après, c'est à eux de voir tout simplement s'ils passent par ici ou pas. Ah bah ça y est, on a réussi. Bah écoutez, on va le laisser là. On va le laisser là pour le moment. Et nous tout simplement on va pas amener toutes les tigres. On va faire une sortie depuis l'extérieur. Et les cages tout simplement des animaux. Donc du coup re les gens. Donc tout simplement maintenant que j'ai terminé du coup les cages que je vous ferai voir après. Parce que tout simplement je n'ai pas trop envie de vous faire voir ce que j'ai fait. Ce que j'ai galéré aussi un peu à faire. Parce que j'ai mis quand même une bonne heure et demie à trouver comment faire ça, même avec des tutos, parce que je ne sais pas pourquoi les tutos ne marchaient pas. Pourtant, c'était la même version. Mais écoutez, c'est pas très grave. Du coup, j'ai pris le cerf qui était dans l'enclos des tigres. Et on va ramener tout simplement les tigres à leur enclos. C'est pas si difficile que ça. Donc, tout simplement, on va d'abord ramener lui à la maison. Voilà, nickel. Tranquillement, et après je pense que les tigres on aura un peu plus mal. J'aimerais bien faire aussi un petit test sur les tigres, savoir si un bloc normal ils arrivent à le passer ou pas, ou s'il leur faut deux blocs de haut pour passer
passer quelque part, quoi, tout simplement. Donc on va tester ça du coup juste après. Du coup là j'ai même pas pris mes haches, tout ça, du coup on est un peu embêté, donc je vais casser ça, excusez-moi. Hop, on va casser ça et puis on va le mettre dans les autres enclos avec les autres. Pour l'instant on va l'attacher tout simplement ici, on n'aura pas de problème. Et on va prendre les tigres, du coup pour prendre les tigres il me faut une autre laisse. Je vais me prendre aussi tout ce qu'il me faut pour me protéger, parce qu'on sait jamais. On sait jamais s'ils peuvent réattaquer ou pas. On va pas prendre ces pommes-là, on va prendre cela. Je crois que c'est bon, écoutez. Hein, écoutez, je pense qu'on va pouvoir y partir et pouvoir les mettre dans leur cage dès maintenant pour les prochains épisodes, tout simplement. Et donc, du coup, on va le prendre. Hop. Faut qu'on arrive à le faire rentrer. Je crois qu'il est beaucoup plus grand que l'autre, hein, par contre. Je crois que celui-ci, c'est, ça a l'air d'être on dirait un père, un grand-père. Ou, enfin, ouais, on le voit largement que c'est un peu grand. Donc lui, ça doit être un petit, je pense. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr, mais je pense largement que ça soit ça. Parce que, vu comment il est grand, ça m'étonnerait que ça soit un petit, petit comme l'autre. Voilà, tout simplement. Donc, on va prendre les tigres. J'aimerais bien les faire tester, les faire passer sur un seul bloc. Voilà, nickel. Ok, donc là, on va pouvoir les mettre dans leur cage, du coup. Les cages qu'ils vont avoir. Donc, j'en ai mis un pour chaque, mais je vois que c'est que des mâles. Donc, on va peut-être les mettre dans les mêmes cages. Et on va essayer d'avoir peut-être une femelle pour les mettre dans une deuxième cage, hein, tout simplement. J'ai fait une deuxième cage parce que j'aurais peut-être un petit projet par la suite avec si on termine le zoo pour faire une série du genre un peu comme une saison zoo pour ceux qui regardent cette série là à la télé. Ça serait un peu pareil, faire une série comme ça où on nourrit les animaux, on agrandit le parc, etc., etc. Je pense que ça serait une bonne série et que ça serait pas mal, je pense. Ça ferait une série en plus sur la chaîne qui serait pas mal. Bon, après, faudrait que j'acquérisse de nouvelles expériences en montage. Et comme ça, on pourrait le faire. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est plutôt une bonne idée, je pense. Ok, là par contre, là on est sauvé, on a les deux dans les cages, c'est bon, on en a un peu galéré, mais on a réussi. Et on va essayer de leur ouvrir la porte, voir s'ils passent sur un bloc, je ne sais pas du tout. J'aimerais bien voir. Non, ils n'ont pas l'air de passer. Ok, on va se remettre en game mode 1 et enlever les barrières, écoutez. Ah, si je mets 0, c'est pas ce que je veux. Voilà, nickel. Voilà, donc là vous pouvez voir que du coup j'ai un peu galéré pour faire ça, mais j'ai fait des systèmes. D'ailleurs, je vais vous le montrer un peu vite fait. Je vais passer
par la porte là, on va pas les faire passer par le trou. Hop, nickel. Voilà, donc pour les deux portes, hein, voilà ce que j'ai galéré un peu à faire. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un piston qui voulait pas se lever, etc. etc. Du coup, j'ai trouvé une technique, mais j'en ai un peu galéré. Voilà. Donc j'ai un peu galéré pour faire un système de porte, mais j'y tenais de faire un système de porte. D'ailleurs, par contre, le zombie me tracasse un peu de savoir pas trop où il est. Ou alors il y a une mine pas loin, je ne sais pas du tout. Sortir ici, pas trop ce qu'on recherche. On va mettre des lampes avant que des torches, pardon, excusez-moi, des torches avant qu'il y ait trop de mobs par ici, parce que je le sens bien qu'il va y avoir des mobs. Du coup, on va vite fait mettre des torches pour pas avoir de problème. Non, on va rester en game mode, hein, vite fait. Je vais vite fait aller les voir, voir ce qu'ils font. Alors, on en a un là, le deuxième, je ne sais pas. Ah, il aime bien ce coin là, le deuxième. J'ai l'impression que c'est toujours le même qui vient par ici. Écoutez, hein, s'il aime bien, il aime bien. J'ai toujours l'impression que c'est toujours le même qui arrive de ce côté là en tout cas. Donc il va en falloir beaucoup. Je pense qu'il va en falloir notre femelle. Je pense que ça serait bien. Et après, après à voir, hein, tout simplement. À voir au fur et à mesure. Par contre, d'ici, je pense avoir une bonne vue sur les animaux. On va regarder vite fait aussi. Du moins, je l'espère, d'avoir une bonne vue. Et on a une très bonne vue, hein, sur les animaux. Ah, il monte sur le centre de ponton que j'ai fait. Ça, par contre, j'aime bien. Ça, j'adore. On va juste le regarder faire. Par contre, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est bloqué ou pas. Faudrait que je regarde, mais j'ai l'impression qu'il va pas plus loin. Je vais tout de suite décaler ça. Voir si c'est ça qui le bloque ou pas. J'ai l'impression que ça le bloque. C'est pas vous, mais moi personnellement j'ai l'impression que ça le bloque. Et qu'il ne va pas plus loin du coup. On va voir par la suite, hein, mais j'ai l'impression que ça le bloque. Tout simplement. Du coup, ouais, je vais leur laisser la porte ouverte, écoutez. Pour qu'ils se baladent là où ils veulent, hein, là où ils le souhaitent. Je vais vite fait refaire un petit tour de la protection. Donc là on est toujours de blocs. Là on n'a pas de blocs. Là on en a qu'un, du coup on va me faire un truc comme ça. Heureusement que je vérifie, sinon il pourrait peut-être y monter quelque part. Bon là je pense que c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense pas qu'ils aient de problème pour s'échapper de leur enclos. Voilà, donc tout simplement, on va du coup s'enlever ça et ça aussi. On va se remettre... je vais remettre tout ça dans un coffre. Et tout simplement, je vais vite fait vous parler du zoo. Hein, de ce que j'ai envie de faire plus tard du zoo. Pas juste laisser la série se terminer comme ça. J'ai bien envie de tout simplement... On va d'abord refermer ça aussi là, ça j'ai pas besoin de le refermer du coup, mais ça on va le refermer avant qu'on ait un problème. Voilà, nickel. Donc du coup on va parler vite fait du zoo. Du coup le zoo, j'aimerais bien que qu'on se termine pas, vous voyez, une fois qu'on a fini le zoo on se termine la série et point final. J'aimerais bien que si j'y arrive, de vous le présenter par vous-même, que vous venez... j'aimerais bien que vous venez sur un serveur, que j'arrive à mettre la map sur un serveur avec tous les mods et tout, et que vous venez et que vous visitez seul le zoo. Ça serait bien, je pense. Ça serait une idée pas si mal que ça. Parce qu'en fait, je donnerai pas la map, ou peut-être à la fin de la série, je ne sais pas, mais pour le moment, je me suis pas décidé de mettre la map en téléchargement, hein, tout simplement, parce que j'ai envie que la map reste propre à elle. Donc ça veut dire qu'elle est comme ça, à la fin elle sera d'une façon, et j'aimerais bien qu'elle reste de cette façon, parce que c'est quand même une map que j'aurais mis du temps à la construire. Donc après à voir, hein, mais j'aimerais pas trop que la map soit changée, soit modifiée. Ou alors, ouais, je sais pas encore, je ne suis pas encore décidé sur ce point-là, mais j'aimerais bien que, à la fin de la série en tout cas,
qui est que j'achète un petit serveur de peut-être 2-3 semaines et que les gens viennent visiter le zoo en toute tranquillité avec tous les animaux, avec tous les joueurs, etc. etc. Je pense que ça serait une bonne idée. Après, pour faire ça, je pense qu'il me faut une bonne. Que les personnes qui me regardent là, pour l'instant, j'ai quelques personnes qui me regardent ma série Zoocraft. J'aimerais bien qu'il y en aurait énormément plus et que pour que vous visitiez ce zoo, tout simplement, il faut que vous soyez plus à regarder la série, à l'apprécier. Donc, tout simplement, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à liker, à partager, à parler entre vous de ma chaîne, de ma série, hein, à vos potes, à qui vous voulez, mais. Voilà, si vous voulez le visiter un jour, faudra beaucoup plus de monde pour que je vous donne la map ou que je la mette sur un serveur privé. Et tout simplement, en ce moment, on va sûrement, c'est même sûr, on va beaucoup continuer aussi le zoo par ici. C'est-à-dire que, comme là, vous pouvez voir, nous, on a une bonne position. Je trouve que, en fait, j'atterris, mais je savais pas trop comment j'allais atterrir. Je sais que j'allais atterrir dans une plaine. Mais en fait, je me suis super bien positionné parce qu'on a la savane, donc tout ce qui est. Donc tout ce qu'on peut mettre lion, tigre, éléphant, plein de choses qu'on peut mettre dans le style savane, dans ce genre-là. À côté, on a un biome sable, donc tout ce qu'on peut mettre terrarium, ça veut dire serpent, crocodile, des trucs du genre comme ça. Et on a aussi tout ce qui est montagne, donc ours. Les ours, il y en a, ça je suis sûr, parce que la dernière fois j'en ai vu, en même temps que je construisais l'enclos, j'en ai vu. Je sais pas si dans le timelapse on le voit, mais j'en suis sûr qu'il y en a, ça c'est sûr et certain, il y en a des ours. Et du coup, on fera sûrement sur les hauteurs de montagne, ou je sais pas du tout, on verra bien. Mais j'ai aussi tout simplement un biome normal, hein, qui est biome plaine. Ce qui est plutôt bien pour faire, par exemple, comme je vous avais dit, j'aimerais bien faire dans le zoo un petit coin, tout ce qui est de la ferme et tout, les animaux de base. Donc, tout ce qui est lapin, mouton, cochon, vache, cheval, etc., etc. Les animaux de ce genre-là, mais faire un petit coin, vous savez, les regrouper dans un petit coin et que ça soit vraiment un truc bien convivial, mais qui prenne un peu plus de place et qui fasse un peu agrandir du coup le zoo, ce qui serait pas mal. Mais en tout cas, on est super bien positionné pour ce point-là. Et on est bien positionné tout simplement. Alors, je sais pas si cette vidéo sera entre 15 et 20 minutes, mais sachez que la plupart des épisodes maintenant feront entre 20 et 30 minutes. Je pense que c'est mieux. Parce que on fait déjà pas grand chose durant les vidéos, donc si on peut déjà rallonger un peu plus les vidéos pour vous faire plaisir, déjà je dirais pas non, mais en tout cas sachez que plus il y aura de monde, plus je prendrai de plaisir, plus je sortirai de vidéos Zoocraft, parce que là bientôt je pense reprendre la série sur tout ce qui est Cities Skylines, parce que il me reste plus que quelques trucs à régler. Et la série de Cities Skylines va très très vite arriver, je pense. Peut-être la semaine prochaine ou dans les semaines qui arrivent très très prochainement, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain qu'ils vont pas tarder à arriver. Mais, c'est quoi ça? Ah, ok, je vois, ok. Et du coup, ouais, donc ça va pas tarder à arriver pour ceux qui veulent du Cities Skylines sur la chaîne, tout simplement. Donc, tout simplement, on se termine sur... cette difficulté que j'ai eu à faire cet enclos là, hein, du coup. Mais aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose, je trouve. On a beaucoup plus parlé, je pense, que fait. Mais écoutez, c'est pas très grave. Je voulais quand même vous sortir un petit épisode au lieu de rien sortir et de ne rien dire, rester dans l'ombre. Donc, même si cet épisode ne servira à rien, je l'ai sorti, au moins je suis content. Et vous aurez un épisode à regarder comme ça, voilà. Donc tout simplement, on va se quitter là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux. Donc j'en ai qu'un seul pour le moment, c'est Twitter. Bon, pour le moment, je suis pas très actif, mais plus il y aura de monde qui sera sur mon Twitter, sur ma chaîne YouTube, plus je serai actif sur Twitter, tout simplement. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à liker, à partager, à faire ce qu'il y a à faire pour avoir plus de monde sur cette série. Tout simplement, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.